est sans doute le meilleur de la spécialité. Alors, bien évidemment, vous avez compris que si les caméras restent sur les athlètes chinois, c'est parce que au bout de ce sol, eh bien, nous saurons si la Chine est championne du monde. Il ne faut pas que Xu Yuang commette la moindre faute, bien qu'ils aient un petit peu d'avance sur la Biélorussie. Hop, ah, il manque un demi-tour. Il manque un demi-tour pour les connaisseurs. Ça c'est beau, ça c'est bien. Quel rythme. Oh. Le vrai ennemi. Voilà encore un petit passage au sol avant de terminer. Ils affectionnent cet exercice-là, hein, cet élément. Remontée en équilibre et diagonale finale pour Lang Xu. Tempo double vrille. Voilà. Il n'a pas pris de risque. Petite finale. Ils n'ont pas fait passer le meilleur gymnaste à la fin. Oui. Mais ils avaient déjà assuré l'essentiel. Ils n'ont pas pris de risque au sol. Et voilà, triomphant, Lang Xu qui est à l'image de son équipe. C'est-à-dire que désormais, eh bien, on peut se demander si la Biélorussie peut revenir. Je ne pense pas, Michel. La Chine totalise 230 points, 395. Il faudrait un miracle pour voir la Russie revenir. C'est impossible. Voilà donc ce ralenti qui nous permet de distiller un petit peu mieux la détente, la souplesse de ces athlètes chinois, toujours.